Bonjour, je m'appelle Shania et ça c'est mon projet de mon instrument de musique qui n'existe pas. Le nom est le barboteur à trois tuyaux. Dans cet instrument, j'ai utilisé deux cannes ou deux verres, tu peux décider, et tu peux utiliser plus de cannes ou verres si tu veux. J'ai le décolleté avec les papiers. Et on a besoin d'une grande paille et deux petites pailles. Alors ça c'est la grande paille. Et tu peux utiliser deux petites pailles, tu peux les faire sur le jus. Alors, comment ça va marcher? Tu vas mettre deux cannes à côté de l'une et l'autre. Et tu vas mettre ton grand paille et tu vas couper deux cercles dans le milieu. Et ça, c'est où tu vas mettre ton deux petites pailles. Ça va regarder comme ça. Sur l'autre côté, tu vas juste le couvrir. J'ai utilisé une ruban. Et l'autre côté, tu vas le mettre ouvert. Alors, une fête, c'est dans la canne qui n'a pas beaucoup de l'eau, ça va être plus fort. Alors, ça c'est qui n'a pas beaucoup de l'eau. C'est très fort. Et puis l'autre qui a beaucoup de l'eau ne va pas être très fort. Maintenant, je vais jouer mon instrument. Cet instrument peut aussi être utilisé pour la méditation, le dormir et pour relaxer. Quelle propriété de son est-ce que ton instrument de musique utilise? Cet son peut être par la vibration parce que quand tu souffles, ça va le vibrer et puis il va être le barboteur. Mon son est grave et c'est fort, mais ça dépend est-ce que tu as beaucoup de l'eau ou pas beaucoup de l'eau. Cet instrument est de la famille des cuivres, alors c'est de vent. Un instrument qui est similaire à ça est la flûte parce que tu le soufflais et aussi dans ça, tu le soufflais. Et ça, c'est pourquoi c'est similaire. Pourquoi ce n'est pas similaire est parce que ici, tu as les bulles dans la fin et quand tu fais la flûte, il n'y a pas de bulles. Tu dois, avec ton main, tu dois le faire et puis ça va être la musique. Et ça, c'est tout pour mon présentation. Merci.